Bonjour à tous et bienvenue dans ce Let's Play sur Zelda. Mon premier Zelda que j'ai sur Game Boy. Zelda Deluxe aussi, je crois le jeu, mais la version Deluxe c'est Link's Awakening, voilà. Le tout premier Zelda sur Game Boy. Donc ça va être énorme. Ça nous s'agit pas là. C'est parti. Donc c'est le premier épisode dans le Let's Play, normalement il devrait y en avoir plusieurs. Ah ouais, il appelait Zelda, mais en fait elle s'appelle Marine dans le jeu. En fait il n'y a aucune allusion à Zelda dans ce jeu, c'est le premier Zelda où ils le font. Sur la route du sud vers la place, vers la plage là où je t'ai trouvé. Depuis que tu as échoué ici, des monstres terribles rôdent dans le coin. Sois prudent. Oh, j'ai pas d'épée au début. Oh là, c'est bien trop lourd, tu n'y arriveras jamais. Rien que par la force de tes bras. Salut David, t'es réveillé? Je suis Tarquin. Tu te sens mieux? Quoi? Comment? Je sais pas ton nom. J'ai ton nom. Bon, c'est gravé sur le bouclier. Ben d'ailleurs, il est à toi. Je te le donne. La musique, bien sûr. Et tu vas oublier, tu viens pour bouger vos ennemis. Voilà. T'as ces graphismes qui piquent les yeux, quoi. Oh, tu fais quoi dans ma commode? Franchement, ça va pas la tête. Bah quoi, je veux juste regarder tes petites culottes soutien-gorge. Hein. Oh, t'as le bug. À la plage. Elle a pas mon épée. Mon toutou est si fier de son pelage. Putain, truc de Mario. Ah là, c'est la nostalgie. À l'époque, ce jeu, je l'avais fait d'avoir 5-6 ans et du coup c'était vraiment énorme à l'époque. Monsieur, pour sauvegarder, appuyez sur tous les boutons à la fois. J'en lançais pas plus, je me suis qu'un gosse. Bah, après une sauvegarde, vous pouvez redémarrer à la dernière fois. Par laquelle vous passez, pourquoi je n'en sais rien. C'est à moi. Pour sauvegarder. Regardez cette cassette. Hein. De toute façon, je suis sur émulation, je regarderai autrement. Je ne sais pas ce que je veux dire. Sur la colline, je vais mettre. Voilà. Je dépense autant en sautant les dents. Et puis, je vais appuyer. Quand tu sors, tu peux téléporter en succession. Si tu veux pas, tu peux téléporter vers un trou qui n'est pas encore apparu à l'écran. Ok. Là, c'était énorme, c'était assez important à mon grand frère à l'époque, c'est mon premier souvenir Game Boy. Casse un jaloux, page coco, ok. Voilà. Ah, moi, je vais trouver l'épée. Si je me rappelle bien, je vais trouver l'épée. Et voilà l'épée. Avec la chouette, bien sûr. Cette épée est donc à toi. Je comprends pourquoi les monstres s'agitent. Celui qui doit réveiller le poisson, rêve, est arrivé. On dit que pour que tu es libre, cette personne doit d'abord te réveiller. Le réveiller. Viens voir dans la forêt enchantée, au nord du village. Je t'y attends. Allez, voilà la fin de l'épée. Tu as retrouvé ton épée. C'est la tienne car il y a ton nom dessus. La fameuse musique. C'est énorme. On va tous monter.
sonné très fort. Pas du tout ouvert. Bienvenue chez Aligo Banane. Ici j'entrepose mon hobby, c'est collectionner des boîtes de conserve. Mon frère Tony est un artiste. Moi, je suis plus terre à terre. J'adore manger. Et aussi, vous reverrez au niveau du montage, vous verrez ici, là, juste en bas, il y a mon livre Philosophas qui est sorti. Donc, ça, c'est l'image de la couverture. Donc, il est en Fnac et tout, en Fnac, en librairie et tout. Donc, ça va en Fnac, vous dites que vous voulez Philosophas. Elle tape sur l'ordi, elle le trouve et elle le commande. Donc, voilà, il est à 6 euros. Donc, 6 euros, c'est le prix même pas d'un paquet de club. Donc, et moi, je touche 10% du livre, donc 60 centimes. Donc vraiment j'avance. Attention pour ça, se protéger avec un bouclier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que quand j'écris un livre qui coûte 6 euros, je touche 6 euros sur le livre. Mais non, mon éditeur me donne 10%. Donc 10% sur un livre, ça veut dire que le livre est à 6 euros, ça veut dire que je touche 60%. 6%, donc 60 centimes. 60 centimes, t'as quoi? T'as un bonbon? Faut vraiment en vendre pour en vivre, quoi. Moi, ça va, j'en vends pas mal et tout, que j'arrive à m'en sortir, mais sinon... Faudrait un chanté un peu énigmatique. Bienvenue à la forêt enchantée, mon brave garçon. L'île Cocolinte abonde en mystère qui n'existe sur aucune carte. Son règlement est unique. Tu ne pourras pas la quitter tant que le poisson rêve dormira. À propos, as-tu visité la carte Flagello, située au sud du village? Vas-y avec la clé cachée dans la forêt. Le poisson rêve te regarde. Oui. Allez, prends ça en ta gueule. Je te raconte la vérité et j'aime pas du tout ce qui est poudre. Hé, je vais te perdre dans la forêt, il est bien fait. Mais il est caché au chemin, donc c'est bizarre. Voilà, c'est un peu comme ça. Ça va bien ce bordel en fait. Mais c'est bon, j'ai compris ta gueule. Il m'a tué. Et bah putain. Et bah putain. J'ai rien compris ce qui s'est passé là. J'ai rien compris mais j'ai plus cher. Thank you.
Bon, et sur ce, je vais vous laisser, Jean. Profitez-en pour vous reposer. Et d'après sur vous. Cette chambre est désormais pacifiée, mon colonel.